Mesdames, Demoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Nous sommes pratiquement dans 2022. Je veux commencer, ça c'est la première émission que nous allons faire ici en 2022. Je vais d'abord commencer à vous souhaiter tous une heureuse année. Bonne année donc. Mes souhaits vont particulièrement à tous mes abonnés, à tous ceux qui ont pris cet engagement de me suivre tous les jours. Lorsque je mets les émissions, ils vont ouvrir les liens et puis ils vont commenter. Ceux qui ont aimé, beaucoup de gens m'ont écrit. En tout cas, je vous souhaite tous une merveilleuse année que nous commençons. Et puis j'espère que Dieu va nous bénir tous à être en bonne santé et à cheminer ensemble avec lui au courant de cette année, pour que nous puissions réaliser sa volonté qu'il nous a donnée, la vision d'être devant vous, nous donnant la bonne santé, en tout cas sa volonté, à ce que nous puissions parler aussi de notre République démocratique du Congo. Donc, c'est le pays qu'il nous a donné. Donc, nous remettons tous entre ses mains pour que cette année puisse être une année prospère, de prospérité, une année où nous allons voir la volonté de Dieu se réaliser dans nos vies. Ceux qui sont dans le business, je vous souhaite en tout cas long succès. Ceux qui font du travail, en tout cas que le travail soit quelque chose de bien pour votre santé et qui puisse vous affermir et vous donner encore envie de vivre. Parce qu'il y a d'autres personnes dont le travail dans lequel ils sont en train de les haïr, ils ne veulent pas, ils veulent changer. Pour ceux qui veulent voyager, que vos souhaits, donc vos maniaze nous autres, zaï mwaka, zenye mon attaqué, mwaka, zifanique. Donc c'est ça en swahili. Oh, nyonso tu bokani ke boko sala na mbula oyo. Eto sabino mbula oyo ezala mbula moko tokomona ba realisation ebele na kati ya biloko nyonso tozo sala lelo bandeko tokolobela nini. On va parler de quoi? Nous allons continuer sur parler sur la République démocratique du Congo, bien sûr, mais sur ce que nous avions commencé la semaine passée, donc na émission le 31, disons le dimanche passé, où nous avions fait un live où nous parlions de l'État congolais. Comment est-ce que toza wapi conscience na biso eza wapi na mboka na biso poto kende liboso? C'est de là que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons parler effectivement quelle est la solution. Vous connaissez peut-être, ceux qui me suivent ont l'habitude de me suivre, vous connaissez là où je vais en venir. Tozo tonga mboka ndenge nini? Na émission na biso awa, pour ceux qui me rejoignent pour la première fois, toza la ka émission actualité te ke yo basala ki bo. Non, émission na biso ezali ya très en profondeur. Nous apportons notre point de vue na solution nini automonique et ko ki ko bongisa mboka na biso. C'est ça que nous faisons ici à Contact Pro Live. Makambo esalemaka, totala kayango, est-ce que komamaka na Bible na biso ki est notre constitution? Est-ce que toza nanu na nzela oto loba ki tokosala? Malheureusement, yango wana tokolobela lelo, makambo ebele ekendaka elongo te. Makambo ebele ezo salema, eza oto kanaki te. Qu'est-ce qui cause ça? Eloko nini esalaka ndenge wana? Alors, tokolobela eloko wana nyonso tout na émission na biso, na ba makambo oyo to banzi ke non poto telemisa mboka na biso tokosala. Donc, les solutions et comment nous devons nous comporter en 2022 pour que ba solution otokani esalema tokota na 2023 ke tango tokotala na 2022 tolobi 2022 ndezala ki socle place oto sa to tchaki ba base. Voilà ce que nous allons parler dans cette émission. Mais avant toute chose, comme d'habitude, nous allons prendre quand même de l'actualité. Nous lisons les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Et puis nous revenons tout de suite là pour le développement de notre sujet. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élections tirées
net.com. Beni. Nouvelle attaque meurtrière des rebelles ADF à Watalinga. Et puis à Butembo, près de 20 manifestants, dont un milicien Maïmaï arrêté en pleine ville. On va sur actualité.cd. Des dizaines de jeunes interpellés à la suite des échafaudés à Fourou, un quartier chaud de Butembo. Fondement et perspective des opérations conjointes FARDC UPDF contre les ADF sous l'état de siège. Le décryptage de l'internationaliste Martin Ziakao. On va sur Congo profond. Beauchamp tourne le dos à Kabila. Et puis, les aspects des enseignants des écoles désactivés. Encore 5 mois d'arriéré de salaire à régulariser. Et puis, élection de gouverneur, Justin Luemba défie le président de la République et nomme des ministres provinciaux. On va sur 7 sur 7, Kinshasa, tant que je serai gouverneur, le travaux de l'avenir Irengesa ne seront pas arrêtés même un seul jour. Ça, c'est Gentili Ngobila. Et puis, Beni, plus de peur que de mal après un Noël ensanglanté. Et puis, Sud Kivu, un militaire lynché par les jeunes à Uvira. On va terminer sur Radio Okapi, Mbanda, chaos des prix des carburants. Et puis, Bahati Lukwebo s'oppose à l'invalidation des 6 députés provinciaux du Sankuru. Merci, on se revoit très prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Bandeko, l'actualité est prédominée par le périple à Tshisekedi dans le Kasaï et Batumsusu au Baza visé Bazolo Bakeno, président Aza déjà en campagne, a bandi déjà campagne là. Azoluka, d'ailleurs, il a demandé le deuxième mandat na côté à Kasaï Kuna en disant que non, Bandeko naye ba se préparer pour ba pesa le deuxième mandat pour que a s'impliquer à Bandako Sala Musala peut-être 2024-2025 parce que mandat oyo c'est comme si rien n'a été fait. Biloko nyonso ezali yakubeba na Kasaï Kuna donc. La même situation ne peut pas se toyo kolobaka na Kasaï te na Congo mobimba bato bazana mobaimbongo bato bazana bolobo bato bazana bikoro ba olobaneni. La situation est la même chaotique par là en République démocratique du Congo. Bandeko na émission oyo to bandanano na bandanano ko pesa bino image hein? Pour que, en principe, c'est comme ça que nous faisons. Je vais vous donner une image. Je veux parler des choses, de faits qui sont réels. Sur le plan, il y a politique, non, sur le plan économique. Je vais essayer un peu de combiner tout ça. Pour que tous les gens, est-ce que Makambo est étrange? Si le président de la République fait un tour au Kasaï, est-ce que tout en étant à Kinshasa, cette situation lui était étrange? On lui disait pas ça. Est-ce qu'il y a pas quitté Makambo et Zole Kanacho poté, na Kisangani a bien ôté? C'est ça le problème. C'est comme ça que nous disons. Bandeko, si nous ne connaissons pas le problème du Congo, Toko Eba peut copier sa solution pour y a Congo na Congo te. On ne saura pas. Nous ne pouvons pas faire semblant en arrivant au pouvoir en disant que non, ngai makambo ya kalemi na ebi angote. Oh non, ngai makambo ezole kana minembo nga na ebi angote. Tout le problème du pays est connu. A Kinshasa batunyon surtout ba yebi makambo nga ezole ka. Le problème du Congo, ce n'est pas étrange. Oui, on le batte que non. Bazo yi bambongo ya barrage ya katende. Toi, tu ne savais pas. Tu ne peux pas dire ça. Nous sommes un pays unitaire. Tous un système moko unitaire, donc unitarisme zali. Donc les lo soko lobi que non obimisi mbongo ya yanani basali budget par exemple, c'est comme ils ont dit, le budget est de 10 milliards. Il faut ba collecter ba mbongo tout ça. Tant ou ba dépenses zo salema, je crois que le gouvernement yebaka. Mais okoyoka que non
que sa péréquation ezo fonctionné te okoyoka ba député bazui mbongo ba bazui ba basombeli bango ba mituka et on se pose la question likambo za ndenge nini makambo ngo za ndenge nini. Vous allez voir que ba tumsusu bazolo ba ke non oh ba recette mati to komo okoti sambongo pendant que ba enseignants bazo fouta maté pendant que les soldats ne sont pas payés. Nous sommes outils wapi bandeko. Tout le kango musikate. Ne cherchons pas les problèmes trop loin. Le pays est désorganisé. Il n'y a pas. L'État n'existe pas au Congo. L'État n'existe pas. Et ça, nous devons nous dire en face. Nous devons être réels envers nous-mêmes. Soyons réels. Acceptons ça. Si nous voulons chercher les solutions, il faudrait que le président de la République aujourd'hui puisse accepter qu'il n'existe pas d'État au Congo. Le Congo n'existe que de nom, mais en réalité, le Congo est à la caté. Nous sommes dans un jungle. Et où tu vois Pibilo Konyoso? Ce problème vient de la... du système dans lequel nous sommes. Le système nous a été légué par le Belge. Le Belge nous a légué le système unitarisme. Et ton Tozali, dans 26 provinces, nous avons essayé un peu de décapiter les 11 provinces que nous avions aujourd'hui. Nous avons 26 provinces. Et c'est comme ça, les gouverneurs, nous avions... Ngaï Naeb Sakabino Nalobi, ne cherchons pas le problème dans lequel se trouve le Congo ailleurs, le problème vient de nous-mêmes. Bandeko, prenons d'abord situation avant quand Mobutu est arrivé au pouvoir. Naloba ki angol susupe nananobi. Démocratie linga ke kota parce que multipartisme, si nous étions partis avec ce multipartisme là pendant tout Mobutu Batunyo surtout même ata o makambo ba parti o ya ba parti à connotation tribale, je crois que c'est là où devrait avoir sens la démocratie na biso et je crois que nous devrions avoir quelque chose de bien. C'est là où nous avions raté. Les partis politiques à connotation tribale, ils ont un avantage. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous subissons les mêmes conséquences à Nini. Il y a des tribus où il y a la prédominance de la tribu Moussousou. Tokoyoka keno turu eza turu abaswahili. Tokoyoka o turu eza turu abaluba. Tokoyoka ça ne devrait pas être dans un système de multipartisme. Oh, il y a que ça la na 65. Soki topunda na kanango tilelo, nous pouvions peut-être choisir et aboutir à quelque chose ya ko gérer mboka na biso na ndenge ya bien. Pourquoi je dis ça? Parce que ba consensus mingi et kokaki kozwa maka na kati ya ba tribu. Au Congo, nous avons un problème de consensus toyo kanakate. Nous sommes des ennemis dans notre pays. Bota la bino moko comment est-ce que président de la République yemo kwazo finga ba ses compatriotes congolais azbandoki. Ya batunyo bino ba kombantaba. Donc même au sommet de l'État, il y a Mafinga Zali au sommet de l'État. Donc nous ne pouvons pas continuer dans ce système-là. Tokoki ko continuer ndenge wana te. Nyonso wana, ngai awa na contact pro live na lobaka na obi. Constitution na biso esalemaka. Oyo toza nango lelo, nde li mobeko li konzi na biso. O tozo salema lelo. Et Salemi Awa, dans San City, en Afrique du Sud, où nous émettons, en 2001. Et Zalaka, pour Nako, Zongi Samboka, Mboka Zalaki déjà, Panzanaki, Zalaki déjà,
batuna batubazaki na bangore regroupement tout ça, nous nous sommes mis ensemble en nous disant que non, voilà pour que tozongi samboka ezala mboka moko tosa la constitution. C'est comme ça que cette constitution a été faite ici en Afrique du Sud par ce qu'on appelle les belligérants ba rebelles. Constitution oyo na bandai kolobango depuis kalezala kanabala kine belé na kati. Ça ne reflète plus la réalité de notre pays aujourd'hui. Et c'est là où je disais, « Batou ebele babande koubona, abia ate, yoza constitutionnaliste te, ah, batou msousou bazo koumi sa constitution anobi. » Oui, la constitution nous a aidé à nous mettre encore ensemble. Mais ça n'a pas, on n'a pas atteint l'objectif yako yokana, pour sur l'application de cette constitution. Ne place toujours raté Angwana. Nous avons raté le fait de mettre en pratique cette constitution. Constitution to raté na ndenga ko ya ko mettre en pratique. Donc matangi ezam susu, donc constitution ezam susu o tozo sa les ama ka susu. Tozo kokaté et le pays a perdu, l'État n'existe pas. Et comme ici, moutouna ndenge naye. C'est ça le réel problème. Mais maintenant, les gens qui veulent. Bon, toke na lobana nou makamba ba élection. En 2006, on s'est battu. Mais regardez comment est-ce que nous sommes arrivés na ba élection en 2006. Après que ça la constitution wana. Nous avons encore retombé dans le même erreur. Ba erreur mokoana. Nous nous sommes dit, nous sommes pas respectés. Toi ko tombé dans la même erreur wana. Nous avions eu un gouvernement de 1+4. C'était justement à nous dire que non. Bisonyo so to gouverner ensemble, to ko kaka to zo ka consensus batuna batunya to regardons-nous dans la même direction. Nous, on n'a pas pu. Jusqu'à ce que tu commis une élection en 2006, et comment qui déjà Moussousou Akangami, ba vice-président, on a Moussousou Bazala, qui coûte Moussousou considéré, jusqu'à ce qu'on a tripoté les élections, on est parti au référendum, kaka na Nabulu Yeke, Tozongi Lissousou, na dictature, et dira qui pendant 18 ans. Donc, dictature, c'est le président en arrivant en 2006 en étant avec cette moi légitimité en amouké, il en avait profité justement pour former une classe politique pour remettre le pays dans Ndenge Mobutu Bandeko dirigé. Qui ont été à la base de ça? Batunyo, ce sont les mêmes Congolais. Donc nous nous sommes trempés encore dans les mêmes histoires. Onyo, surtout pourquoi? Parce que nous avions voulu garder cet unitarisme. Lingaki kopesa le peuple pouvoir te. C'est ça la cause. Et cause comme une année, nous n'avons pas l'État qui est. L'État, l'autorité de l'État n'existe pas. Et système unitariste est incapable à contrôler la situation dans le pays.
Le pouvoir est resté à Kinshasa. Le pouvoir n'est plus parti à la base. Le pouvoir n'est plus à l'Assemblée nationale. Le pouvoir n'est pas au Sénat. C'est pour cela que vous allez voir. La Cour constitutionnelle, lorsque le président est arrivé, Félix est arrivé, la première des choses qu'il voulait faire, c'était qu'il voulait avoir ce pouvoir. Nous avons la paix. Na makasi azala na pouvoir ya kobanda ko dicter. Or ce pouvoir unitaire ne peut pas contrôler, il est incapable de stopper la corruption, il est incapable à cause ça. L'unitarisme ne pourra pas résoudre le problème du Congo. Ya ko rétablir le problème du Congo, ya ko rétablir autorité à l'État dans le fond du pays. L'unitarisme ne le sera plus. Yangwana boza komona président akei kuna bazo yambaye neti mokonzi, pensant que c'est lui qui va tout faire. Le président de la République n'est pas un magicien. Kokoso e outi wapi, eza justement nakati ya constitution na biso, oyo to feza ki kouar na ba, le peuple qui n'est pas conscient, que non, constitution ana en donnant à une seule personne le pouvoir, akoukai kosala biloko nyonso tout. Ye moko mouto akosala boye, et puis le président, Ndenge aza na vision ya changement, il s'implique aussi dans ces mêmes histoires. C'est pour cela ba tumsusu oyo baza ko bunda ke na 2023 bango pe bazala wana. C'est dans cette optique, le même optique. Ils veulent avoir le pouvoir pour penser que bango ne mutu ba kombongisa mboka oyo. Mboka oyo esengeli ebongama ebongisamaka na batu nyonso, surtout na tous les Congolais, même nous autres qui sont en train de parler sur les réseaux. C'est pour cela que nous disons, en venant sur les réseaux ici, nous apportons notre pierre pour la reconstruction de notre pays. Pour na ko éveiller conscience que ndenge tozo kende mabe bandeko. Solution en mboka na biso eza na kati ya système OOT. Alors qu'est-ce que nous proposons à la place? Qu'est-ce que nous proposons à la place? Parce que tozo kokate okokende ezala même na nani na ba secteur na ba groupement na ba province na ba territoire okoyoka kaka nous sommes en train d'accompagner la vision du chef de l'État. Mboka oyo ekomika kaka parce que topesa yango na mutu moko. Et c'est là où je dis que nous n'arriverons pas toko kokate bandeko. Soyons conscients de ce que nous sommes en train de faire. Mboka o elingi et bongi que mutunyo sotoa s'impliquer. Mutoa za na douane, mutoa za wapi ayeba que nazo sala musala bandeko. Ne comptons pas sur la bonne volonté des gens. Ça n'existe pas. Eko bongi sa mboka o te. Devant l'argent, mutoa da za na bonne volonté. Sokoza nanza la bonne volonté on est kosala te. Tous les Congolais aujourd'hui se battent pour qu'akomanaye pe na moi mutuka atonganda kunaye, qu'importe ce qu'il va faire. Ça ne regarde pas aiba te muyola lanzala te. Ça existe dans tout, nous tous Congolais, moi-même je suis impliqué parce que je suis Congolais. Eza na kati na biso. Qu'est-ce que je fais pour que j'améliore ma situation, ma condition de vie? Qu'est-ce que je fais? Erreur yangoana. Nous ne travaillons plus pour le pays. L'État n'existe pas. Batuba kenda akosala musala basala ka musala te. Batuba kenda ka musala basala ka musala te bakenda akolukande mbongo na bango ndeni bakosala. C'est pour cela quand vous cherchez par exemple l'exemple typique na illustré ango awa. Ozo luka passeport auquel le ministère des Affaires étrangères, c'est probable 90% okokuta na mutu moko aza na libanda ko ebiso ke non vieux o luka nini a passeport OK yaka koto bo kene na bureau te. Imagine toi un des étrangers par exemple qui veulent prolonger leur visa, ba prix eza selon na ndenge nini okuta mutu. Parfois c'est 190, parfois c'est $50. Formulaire bazote que lango ba étranger. Pour na kosala formulaire, $50. Pour formulaire à pamba. Donc, ambroglio moko eza na kati na biso, eza donc yako sakanate. Mais maintenant, comment nous allons y arriver? Notre solution c'est quoi? Conscience d'abord, il faut aller pas mokonzi, otoza na elelo.
aye bakaka ke ce n'est pas lui qui résoudra ye muto akotonga barrage wana akatende te na Kasai. Si les Kasaïens ne s'impliquent pas, et là, nous ne pouvons même pas compter sur la bonne volonté des Kasaïens. Nous devons implémenter un système. Bandeko, salut à Mboka Nabiso, ils ont un système Oyo, président a implémenté. Ils ont quoi qu'on kangamiibite, état de droit qu'on simbate na katia système Oyo. Et là, quand nous sommes tous au sala et qu'on simbate na katia système Oyo, na bandi ane na émission Oya Koloba. Même les élections que nous allons faire en 2023, si nous ne changeons pas le système de faire les choses, ben l'élection n'est qu'au servir na eloko mokote. C'est pour cela, moi je dis ceci. Na ndenge oyo, babandi déjà koyoka, otozoloba, makambo aba 145 territoires, ne donnez pas 10 millions dans un territoire boloba que 10 millions oyo na territoire na to investir 10 millions na katia ba territoire. Vous allez prendre le problème, vous le tournez na ezaka le même problème parce que ça, qu'est-ce qui se passe na mituna bango ezali par exemple na barrage ya kati ya nani même toloba kakata miba. Pour relancer la Miba, bazoko loba non, il faut mbongo, il faut ko tia mbongo na kati. Non. Bandeko, bo pesa nanu Miba wana na responsabilité. Ya batuo bazar organisé. Les gens qui sont organisés, les gens qui savent quoi, qu'est-ce qu'ils vont faire. Baza la ba responsable ya Miba wana et cause la Miba peut se relever dans moins de 6 mois. C'est là le grand problème parce que la Miba se trouve dans un environnement incertain. Batubazo et Baté Lokoni Baosal. Boko tia 50 millions lelo et koti na madofolo mususu bimie kei. Batu mususu bazu yango bakenango. Mbongo ane ko servir na katia ko relancer Mibate. Ça sera une opportunité à ce que Batubalia. Alors, ce que nous disons ici, contact pour live Tolobi Nini, Tolobi, hein, réorganisons d'abord le pays. Même à ta ba élection, on a koya na système haute et vous allez déjà organisé. Ba kulutu na biso akala o bazala ka ba msuba lobaka de décentralisation, on en avait parlé dans cette constitution qu'on n'a jamais arrivé à mettre sur pied. Ba tumsusu bazolo ba fédéralisme, mais réfléchissons à redonner le pouvoir à la base. Et Zalamba, le combat fédéralisme ou décentralisation. L'essentiel, c'est que la base puisse être contrôlée par eux-mêmes. Bayeba, biso awa, mutusoke akangami awa, na goma, toyebia moibia zanani, akokende kozala jige na Kinshasa te. Nous devons être responsables, nous devons nous prendre en charge. Comment nous prendre en charge? Yangwana tozolo babandeko, nous prendre en charge, ça veut dire que nous devons commencer par faire des choses par nous-mêmes. Et c'est là où l'idée que nous sommes en train de dire au président de la République, shift mind na yo bandeko. Président de la République, il ne suffit pas au bengana ba conseiller bananité. Ba kokipe kozala, mais implémentons, disons ceci. Batu oyo bazana kati ya territoire tel. Réorganisez-vous pour que bo pesa biso ba proposition à constitution asika. Réécrivons l'histoire pour que la base puisse avoir la main mise sur ses richesses. Ce sujet est immense bandeko. Nakoki ko sala ngo te na nani mon côté. Na émission mon côté. Nous devons faire tout pour que nakatia ba territoire batuba yokanaka que ça ne soit plus que ceux qui likambo et salemité exact faute à président de la République té ezabiso ba congolais mutu bosto sala ki angote. Imagine toi, j'ai suivi un type qui était gouverneur à Nania ya Kasai ya zolo ba ke non oh non ba tout ne ba lobi. Est-ce que c'est ça ba Kasai lobi to ezab système politique, mais lui il n'a rien fait. Aujourd'hui, il est en train d'écraser Bangouana de ba ennemi à Congo. Moi, je dis, quand vous entêtez le président de la République à ne pas changer,
Vous êtes en train de dire que vous allez accompagner le président de la République. Mais le président de la République, il retient lui-même le pouvoir. Est-ce que le président de la République, il y a des gens qui ont contrôlé la recette à Kasumbale, ça? Et vous l'encouragez de dire que non, l'Ikambo et le barrage, oh, moi-même, je vais le superviser, je vais suivre. Mais quand nous sommes payés, nous sommes en train de nous tromper. Nous sommes en train de nous tromper, Bandeko. Nous sommes en train de nous tromper. Je vais m'arrêter ici pour vous dire que Tozo continue dans le sujet. Oh, dans deux jours, je reviens pour que Toko bande la place on a souki, to souki wapi. Le président de la République n'est pas un magicien. Toko banda wo, toko kende a partir, awana toko kende. Nako expliquer bino comment est-ce que nous allons arriver à réorganiser la base. Je vais m'arrêter ici aujourd'hui en demandant à tout le monde qui nous rejoint cette année de vous abonner. N'oubliez pas de clocher sur, de cliquer sur la petite cloche ici bah pour être averti lorsque une nouvelle émission est mise en ligne. Nous faisons des émissions live, mais ceux qui m'écrivent par WhatsApp, je les avertis souvent, parfois 4 heures ou une journée avant que nous aurons une émission live. Une émission live, Neto explique à Kanyon comment est-ce que nous pouvons arriver. Mais oh, bah, émission na zotia awa, ezala kanda mudamu. C'est pour cela que je m'arrête ici, espérant que boko yo kalisusu boko zala lisusu très nombreux pour que tout évolue ensemble. Na comment est-ce que nous allons réorganiser la base? Merci beaucoup. C'était vraiment un réel plaisir de vous avoir encore nombreux. Et nous nous retrouvons la fois prochaine. Portez-vous bien. Au revoir.